parce que ça a été compliqué en première mi-temps, on prend beaucoup trop de buts, et puis après, bon, on a réussi à recoller, on peut peut-être, sur notre temps de fort, là, de leur faire peur, quoi, l'occasion d'en venir à deux buts, vraiment notre temps fort, et c'est à ce moment-là où on rate les pénaltys, où Arnaud Siffert nous fait mal dans les buts, quoi, donc ce qui nous a un petit peu coupé les pattes, mais c'est un petit peu l'image de la saison, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est mené, on a toujours du mal à... On a rarement gagné un match, en fait. On a manqué de régularité, en attaque et en défense. Et des matchs comme ça, avec une équipe de très bon niveau comme Montpellier, à une salle, et avec cette ambiance, c'est difficile de gagner si on n'est pas régulier et à un bon niveau. Non, et l'équipe, c'était comme ça toute la saison, aujourd'hui encore plus. On était un peu doux pendant les 60 minutes. On a fait beaucoup de jeux, maintenant je pense qu'en défense, on n'a pas été assez bon, tout simplement. Après l'attaque sur la fin, quand on est mené au score, c'est difficile mentalement de revenir, on n'a pas réussi à le faire. Voilà, maintenant Montpellier mérite sa deuxième place. À nous maintenant d'aller chercher le titre qui nous reste et de maintenir sa troisième place. Ça va être très difficile de récupérer la deuxième place, mais c'était comme ça, les matchs, on n'a pas fait mériter pour gagner ce match. Montpellier il était en très bon niveau. Et c'est tout, on va faire les combats jusqu'à la fin, on va essayer de gagner les deux matchs que ça reste, on va attendre si Montpellier perd quelques points, mais ça va être difficile.